Avant de commencer, je souhaitais vous dire que j'avais été très heureux de rencontrer certains d'entre vous à l'occasion de la soirée des 5 ans de TV Liberté et je vous remercie pour vos encouragements et votre soutien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, erreur de montage de ma part. Ma faute. Dans cet épisode, j'ai voulu revenir sur les mensonges, les fake news, les calomnies qui ont atteint la reine Marie-Antoinette avant et après la Révolution. On l'a traitée de hyène autrichienne, de voleuse, d'espionne, de femme légère, d'infidèle, ou encore d'insouciante, méprisante du peuple, avec cette fameuse phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche » qu'elle n'a jamais prononcée. C'est parti pour une petite mise au point bien nécessaire à propos de Marie-Antoinette, la mal-aimée. Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, née à Vienne en 1755, arrive en France en 1770 à l'âge de 14 ans dans le but d'épouser le dauphin Louis-Auguste, petit-fils de Louis XV et futur Louis XVI. Elle reçoit de la part du peuple un accueil chaleureux et elle est immédiatement surnommée la petite fiancée du peuple français. Alors comment tout va basculer ? Parce que tout va basculer assez rapidement, bien avant la Révolution. C'est à la cour que l'hostilité se manifeste, le choix d'une princesse autrichienne est contesté par les partisans de l'alliance prussienne, espagnole ou anglaise, puisqu'à cette époque, vous le savez, l'Autriche est considérée comme l'ennemi héréditaire de la France, et la volonté de rapprochement initiée par Louis XV ne plaît pas à tout le monde. Alors, c'est déjà Marie-Antoinette qui en fait les frais. Ensuite, il y a le fait que les deux époux ont été mariés très jeunes et que le mariage a mis du temps à être consommé. 7 ans en tout. Et puis pour ne rien arranger, Louis XVI n'est pas très à l'aise avec la chose. Mais c'est Marie-Antoinette qui déjà était au cœur des critiques. On l'accusait notamment d'infertilité. Après l'accession au trône à la mort de Louis XV, les critiques ne s'estompent pas. Il y a d'abord l'affaire du collier de la reine, montée de toutes pièces par la comtesse de La Motte. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'affaire du collier, c'est une escroquerie où la comtesse de La Motte s'est fait passer pour la reine, par lettre, en imitant son écriture, pour vendre un très riche collier. Et dans cette histoire, bien que fausse, la reine passe pour une personne frivole, débauchée et avare. Et ce qui a choqué, c'est justement que ça n'a choqué personne d'imaginer la reine dans ce rôle. Alors que la vérité a été démontrée, personne ne s'est indigné, personne n'a été outré de voir la reine dans ce rôle-là. Donc il y avait déjà cette réputation véhiculée par ses ennemis à la cour. Et ensuite, alors que la révolution approche, on met sur le dos de la reine le renvoi de ministres réformateurs, alors que pas du tout. Par exemple, le renvoi de Necker ou de Turgot, c'est souvent le fait de l'opposition entre le Parlement et la noblesse. La reine n'a rien à voir là-dedans, mais on la surnomme quand même Madame Déficit. Bon, en gros, c'est le bouc émissaire de tout le monde, quoi. Donc, comme on peut le voir, dès le départ, l'hostilité à l'encontre de Marie-Antoinette est bien prononcée, surtout de la part d'éléments insatisfaits de la noblesse. Déjà, c'est Madame Déficit pour les uns, l'Autrichienne pour les autres, la frivole, la dépensière, l'infertile ou que sais-je. Je pense avoir déjà débroussaillé un peu le terrain sur le contexte et les choses qui lui sont reprochées à tort très tôt dans le règne. Alors, Marie-Antoinette n'est pas irréprochable, hein, ça c'est certain, mais ce n'est en rien une espionne, une dépensière ou une traînée. Les fake news les plus violentes, les plus virulentes vont venir après. Il y en a deux qui ont retenu mon attention, ce sont les plus connus. Sa liaison adultère supposée avec le comte de Fersen, et puis la fameuse sentence « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche »,
Je vous propose donc, après avoir posé le contexte, de démonter purement et simplement ces deux accusations. Sa liaison avec le comte de Fersen d'abord. Alors le comte de Fersen, c'est un comte suédois. Il arrive à la cour de Versailles en 1774 alors qu'il a entrepris un tour d'Europe pour parfaire son éducation. Il rencontre Marie-Antoinette au bal de l'opéra et les deux s'entendent plutôt bien. Quand il revient à la cour en 1778, la reine ne l'a pas oublié et des gens remarquent qu'elle le traite avec une certaine attention. Il devient dès 1779 l'un de ses familiers, il la voit souvent et il correspond beaucoup avec elle. Puis à côté de ça, le comte de Fersen, c'est un charmeur, un beau parleur et il collectionne les conquêtes féminines. Marie-Antoinette est très proche de lui, ça ne fait aucun doute. Et il ne fait aucun doute non plus qu'elle a éprouvé un sentiment amoureux pour lui, comme en témoignent ses lettres. Mais plus tard, on va prétendre que non seulement la reine a des sentiments amoureux pour le comte de Fersen, mais qu'elle a consommé cette relation. En gros, qu'ils ont couché ensemble, quoi. Et c'est là la grosse fake news de l'histoire, parce que non, la reine de France n'a pas couché avec le comte de Fersen. Premièrement, comme le démontre bien Alan Sanders dans son livre « Désinformation autour de Marie-Antoinette », la reine était toujours entourée. Elle n'était jamais seule, elle était toujours entourée de ses courtisans, de ses dames d'honneur, ou bien le cas échéant, du roi évidemment. Mais quand je vous dis toujours, c'est pas « oui, je suis toujours avec mes copines », non, quand je vous dis toujours, c'est 24 heures sur 24. Il n'y avait pas un moment où la reine était tranquillou, en train de faire ce qu'elle voulait, sans que personne n'en sache rien. À partir de là, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ait pu coucher avec Fersen sans que personne n'en sache rien? Car parmi tout son entourage, personne, absolument personne n'a jamais relaté ça. Aucun témoignage, rien du tout. Dans tous les rapports, lettres, témoignages, on ne révèle aucune allusion, même anodine, à la moindre entorse conjugale. Et puis, deuxième chose, lors de son procès par les révolutionnaires buveurs de sang, lors de son procès, on lui a reproché pour la calomnier les pires choses. Et la pire étant surtout d'avoir eu des relations incestueuses avec son fils. Et il a fallu que la reine s'indigne sincèrement pour convaincre en deux phrases les femmes de Paris du caractère absolument infondé de ces accusations. Mais à ce moment-là, lors de ce procès par les révolutionnaires, il n'a jamais été question du comte de Fersen. Si les révolutionnaires avaient su cela, et ils l'auraient su, eh bien, ils ne s'en seraient pas privés, croyez-moi. Et puis même du côté de Fersen, pour finir, il est difficile d'imaginer, avec son code et ses valeurs, qu'il ait pu toucher à la personne sacrée de la reine. En bref, la reine a éprouvé des choses pour Fersen, ce qui est humain, et ça c'est reconnu, mais ça n'a jamais été plus loin. Donc, fake news. La deuxième grosse fake news de cette histoire, la plus connue, c'est cette fameuse phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche » à propos du peuple qui meurt de faim et qui n'a plus de pain. Bon, si elle avait vraiment dit ça, c'est limite si on n'aurait pas pu dire qu'elle avait mérité son sort, hein, on est d'accord. Sachant que la brioche est plus chère que le pain, en plus, c'est assez osé, quoi. Un peu comme les pains au chocolat à 30 centimes de Jean-François Copé. Ouais, t'inquiète, on t'a pas oublié, grand. Sauf qu'elle ne l'a absolument pas dit. Et c'est même pire, puisqu'en 1789, quand la révolution éclate, la reine avait demandé qu'on distribue aux manifestants la nourriture disponible au château de Versailles, dont des brioches. À la base, cette formule, c'est une invention de Rousseau. Vous savez, un peu comme l'histoire de l'homme qui serait naturellement bon. Ah, Jean-Jacques, il en a sorti des bonnes. On retrouve ça dans ses Confessions publiées en 1782. Il ne cite pas Marie-Antoinette, mais il parle d'une grande princesse. Je vais vous lire le passage, c'est très court. « Enfin, je me rappelais le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain et qui répondit qu'ils mangent de la brioche. » Alors, premièrement, il cite pas Marie-Antoinette. Deuxièmement, au moment où ça a été écrit, Marie-Antoinette n'était même pas en France. Et surtout, cette formule va être attribuée plus tard à Marie-Antoinette, en 1843, par le journaliste Alphonse Carr. Tiens, un journaliste qui publie des fake news, c'est assez bizarre. Ça sera ensuite repris par l'écrivain Heinrich Kassner dans son livre pour enfants « Petit point et ses amis » qui sera traduit dans beaucoup de langues et sera un grand succès. Mais bref, tout ça pour dire que ça n'est absolument pas Marie-Antoinette qui a prononcé cette phrase. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement ça n'est pas la reine, mais c'est personne. Comme nous dit l'historien Paul Johnson, Rousseau a tout inventé. Voilà qui clôt cette polémique qui n'a aucune raison d'être. Donc,
fake news. Mais avant de vous quitter, il faut que je vous parle rapidement d'un film récent qui réalise l'exploit de concentrer toutes les conneries dont je viens vous parler. Il s'agit du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Alors là, on est sur du lourd. Je ne sais pas si vous avez vu le film, moi oui, mais on a une Marie-Antoinette version teenager d'une fac américaine des années 90. C'est nul, c'est niais, c'est incroyable. On voit une jeune femme moderne qui s'ennuie et donc s'amuse. Enfin, non, pas s'amuse, s'éclate littéralement, habillée en rose bonbon, comme une gamine en boîte, quoi, en pleine crise d'adolescence. Pour l'historien Jean Chalon, qui a écrit le livre « Chère Marie-Antoinette », ce film américain, bien sûr, est un navet absolu dans lequel tout est faux. Alors, on la présente en train de s'enivrer au champagne alors que Marie-Antoinette ne buvait que de l'eau. On la présente en train de s'empiffrer de gâteaux alors que ses repas étaient très simples. En gros, nous dit l'historien, en fin de compte, ce n'est pas un film sur Marie-Antoinette, c'est une publicité pour Veuve Clicquot et La Durée. Ah oui, c'est Sofia Coppola, là, on parle pas du grand FF Coppola. Mais bon. Et puis sur l'image de la gamine libertine, écrasée par les codes de la cour de Versailles, qui ne pense qu'à s'amuser à cause de la pression, Chalon estime que c'est invraisemblable, surtout quand on sait que Marie-Antoinette était une Habsbourg élevée à la cour d'Autriche. Elle se déplaçait avec une majesté qui faisait l'admiration de tous. Et il conclut en disant qu'il devrait, je cite, « y avoir une loi pour interdire aux Américains de toucher à l'histoire de France ». Alors là, j'ai envie de répondre « oui, bien sûr ». Le problème, c'est que quand les Français touchent à l'histoire de France au cinéma, bah, c'est pas mieux, hein, c'est même pire d'ailleurs. Pour résumer, non, Marie-Antoinette n'était pas une sainte, elle a fait quelques petites entorses au début, dû à son jeune âge, et c'est normal, et puis toujours avec l'accord du roi, mais elle n'a jamais été une débauchée, une adolescente en crise, ou quoi que ce soit d'autre. Elle n'a jamais été haïe par le peuple, mais par une partie de la bourgeoisie révolutionnaire, et par la noblesse anti-autrichienne. Marie-Antoinette était une reine de France, digne, élevée à la cour d'Autriche, qui aspirait avant tout à une vie de famille. Il est absolument malhonnête de nous la présenter comme le fait Sofia Coppola, sous l'œil moderne qui nous présente l'individu avec sa liberté individuelle qui triomphe de tout. Ça, c'est un anachronisme qui n'a absolument aucun foutu sens. Et outre les calomnies que j'ai déjà démontées, la reine a toujours su se montrer digne de son rang. Et quoi de mieux pour le prouver que la dignité dont elle a fait preuve au moment de sa captivité et de sa mort. Bref, c'était ma petite conclusion pour réhabiliter une grande reine de France. Alors vive la reine, et puis excusez-moi, mais merde à ceux qui veulent la salir. C'est tout ce que j'avais à dire.